Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour la quête d'introduction de la nouvelle unité Jake. Donc alors des objectifs hyper simples, ça il n'y a pas de souci là-dessus. Après est-ce que après le problème c'est de les réaliser sur un seul combat. Que ça va être compliqué, mais sinon individuellement il n'y a pas de souci là-dessus. Donc bien sûr il faut partir avec Jake, sinon il n'y a pas d'intérêt. Je vais partir avec et d'ailleurs toi je te change. Qui c'est que j'ai en haut? Et toi, histoire de dire que... Ah oui, mais c'est... c'est une expédition. Bon, donc Ride aussi, ok. Ça y est, ça, tant pis. Allez, on est parti. On va découvrir un petit peu... ce que ce nouveau Jake a dans le ventre. Donc on a dit qu'est-ce qu'on a dit déjà qu'il fallait utiliser, je sais plus. Il y a un assaut. Je crois qu'il y a une charge de force, non? Non, barrage fatal, rien à voir. Et assaut électrique. Ok. Barrage fatal en bas. Ah d'accord, c'est d'accord, il sort après la initiation d'un assaut, d'accord, pourquoi pas. Ok, pas ouais, ok, pourquoi pas. Alors c'est quoi, dégâts partie fixe réduit l'attaque et la défense. Ah mais j'ai cliqué trop vite. Du coup on n'a pas pu profiter de sa animation 3D. Ah non, sur lanceur ça diminue l'attaque défense. D'accord, ok, j'avais pas compris ça moi. Bon, on va peut-être le relancer un petit coup pour en profiter quand même, ça fait 3D. Parce que là j'ai fait un peu... Là j'ai voulu un peu trop bien faire. Mais bon, moi il y a un truc qui me ravit. Du coup là on a Jake. Mais la prochaine unité à la saison 2 qu'on est censé avoir, si ça respecte le... Si ça respecte ce qui a été fait au Japon, c'est que la prochaine unité saison 2, ça va être Lead. Et du coup, nouvelle Lead, il va falloir que je la récupère. Donc...
Il y aura du tirage de l'enfer sur la bannière Elite. Donc pour le mois prochain, voilà. Le rendez-vous est pris. Enfin, je vous donne rendez-vous pour ce magnifique tirage de l'enfer. Qui va bien entendu se vérifier, hein, le tirage de l'enfer. Sur la cinématique, le personnage fait vachement plus vieux que ce qui paraît au départ. Hein. Ça fait bizarre quand même de se dire que voilà. Et réduit attaque défense du lanceur, ouais, donc c'est un peu. Déjà c'est un petit peu le truc désespéré quoi. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Une charge de force. On va tester un peu l'idée de toute façon, hein, on est là pour ça, donc on va tester. Ensuite. Donc je limite moi la résistance à la réduction d'attaque. Ok, bah why not, hein. Ouais, il n'y en a pas de troisième, ça va. Bah ouais, là, avec ses moustaches, ses barbes, je sais pas, j'ai l'impression qu'il fait. J'ai l'impression qu'il fait 30-35 ans, quoi. Alors que techniquement, il doit être à. Autour de 25, quoi. Donc, je sais pas. Bon, le debuff attaque défense, ça dure un tour. Bon, ça va, ça aurait pu être pire, mais c'est pas mal. Et donc, ça y est, on est enfin parti sur le tirage de l'enfer. Et donc on va faire les tirages. Du coup, non pas sur la bannière, mais sur les tickets X. Donc voilà, il y en a 46. Et en plus, il y a 5 étoiles garanties. Donc bah, on va commencer tranquillement par des 3 étoiles. Enfin, les tickets X basiques plutôt. Ah, un petit jaune. C'est gentil. C'est gentil de commencer aussi bien. Sosier, ben, que j'ai déjà eu, donc ça va. Et encore une 4 étoiles, c'est si bien. Enfin, 4 étoiles, ça aussi transforme, mais je crois pas. Mais... Ah ben aux états, ben voilà. Déjà. Unité de la nouvelle manière, donc son armure qui va être tout simplement excellente pour les tanks, c'est-à-dire à donner un gain de stats assez conséquent quand même. Bon, j'y suis pas encore, hein, à l'obtention de cette commande de confiance, mais on va dire qu'elle se rapproche gentiment. Déjà avoir l'unité, déjà c'est bien. Bon, j'ai bien tombé sur la nouvelle 3 étoiles, la native, quand même. Arcane, d'accord. Voilà, et clairement, voilà, sur la... Niveau charnière de l'île, clairement, je vais créer tout ce que j'ai. Au niveau bannière, donc tous les tickets, tous les lapis, tout va y partir dedans. Tout va y partir dedans si je n'obtiens ma ligne. Bien sûr, si je l'obtiens au moment donné,
suivant quel moment ça arrive, du coup je raviserai pour consommer tout le reste. Mais attends l'idée. Je vais essayer un minimum. Peut-être avoir d'autres 5 étoiles après. Après, il faudrait pas que ça exagère et que ça me file toutes les unités saison 2 sur cette pro là, sur la prochaine session de tirage de l'enfer. Timothy. Voilà, et du coup voilà, et la prochaine session du coup sera clairement une session ça sera que du tirage quoi. Il n'y aura pas le ticket d'introduction d'unité ou quoi que ce soit d'autre. Je pense même profiter du coup de la, je veux dire de la refonte, non c'est pas de la refonte, de la mise à jour du layout lié aux news où il y a toutes les petites lignes de représenter. Voilà, je ferai le tirage sur pour inaugurer ce nouveau layout des leads. Du coup, bien entendu, en espérant que ça me porte chance. Quatre étoiles, bonjour. Qui renfermes-tu? Elena. Ok, très bien. Ouais, je crame tout. Ouf, tant qu'à faire, je crame tout. Ouf. On cherche pas à comprendre, on crame tout. Voilà, c'est... Là, ça a plus de tickets, là, pour moi, il y a tous les tickets, du coup, je reprendrai le stock de tickets X à la suite de ce tirage-là. Et tous les tickets sur les bannières classiques. Oui, je consommerai au moins tous les tickets que j'ai classiques, suivant le stock que j'ai. Enfin, de toute façon, tout partira si j'ai pas l'idée, clairement. Après, si j'ai l'idée, voilà quoi. Enfin, on verra à ce moment-là. Et du coup, je pourrais m'attarder de dire j'ai mon équipe de lead. Bonjour Guy. Après, j'ai vu les unités chacune où j'en suis de leur récompense ou confiance respective. Donc, je sais pas. Je ferai mon tri après. Donc 34 tickets X. Si on s'en tient au pourcentage, je suis censé avoir un arc-en-ciel sur les 34. Je dis bien censé. J'ai osé 3%, du coup c'est... avec 100%, enfin 3% ça donne une chance... c'est une chance sur 33. 0,33333, mais voilà. Oh, hein, d'accord. Sur un bleu qui s'est transformé en jaune. Pourquoi pas. Ah, un petit jaune. Vas-y, je te laisse arriver délicatement. Oui, va être délicat avec... il est là l'arc-en-ciel. Il est là. Allez, qui va sortir? Je ne sais pas. Bon, on a eu de la chance, rien de neuf. Punaise, la souhaite, la flamme gelée, la première des saisons 2 que j'obtiens. Oh punaise, je vais pouvoir remplacer le Laswell de base. Oh c'est beau. Bon, là j'ai pas ce qu'il faut pour le grip niveau max, mais... J'ai pas ce qu'il faut au niveau des pampinators.
Après, en année 20 en cours de FF10, je n'ai pas encore pris des Pampinator. Ben, ça va aller dedans, hein, clairement. Voilà, je n'inquiète pas. Ah, mais cool! Ça, c'est cool. Voilà, du coup, ça va avoir du. Je crois, deux armes de base. Voilà, serment à l'âme écarlate. Du coup, ça va libérer un slot pour taper plus fort et tout. Donc, nickel, ça. Nickel, nickel. Voilà, je vais pouvoir ranger l'ancien Lasswell de son côté tranquillement. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon, bah, ce tirage d'enfer n'aura pas été vain. Ah, ça pourra. Du coup, je vais pouvoir mettre un peu à jour ce layout pour l'histoire. Bon, après, il faut que je monte niveau. Du coup, faut que je max. Que je fasse le petit screen qui va bien pour les stats et que ça refasse le layout comme il se doit. Mais c'est cool, c'est cool, c'est cool. Voilà, donc du coup, voilà, j'ai eu une 5 étoiles. Vu que j'ai un 5 étoiles, ticket X 5 étoiles qui traîne, c'est qu'il y en aura au moins un second arc-en-ciel. Après, est-ce qu'il y en aura un autre en cours de route? Alors ça, je veux dire, c'est un peu la bonne question. Allez, petit jaune, tu es arrivé tranquillement. Bon, tu vas pas transformer en arc-en-ciel. Agrias. D'accord, Agrias. Alors, petit jaune avec. Bon. Ça m'intéresse pas plus que ça, mais bon. Bon, on va dire. On va dire pour contrebalancer le Lasswell saison 2. Bon. Je consentis à ça. Ouais, du coup, pour lead, si pour avoir lead, il faut que j'ai que des. Que ça me file que des 3 étoiles pourries avant et après, moi j'accepte, hein, y a pas de problème. Bah, du moment que je peux avoir lead, après, si le reste c'est que de la merde des tirages, honnêtement, m'en fous, là. Après, est-ce que le jeu va m'exaucer, ça c'est une autre histoire, par contre. Il y a quand même deux transformations de cristaux quand même. D'ailleurs, ouais, ça, je sais pas le pourcentage de transformation des cristaux. Oh, je suis ressorti. Pas fini. Galuf, bon, on sent que là le jeu, que au niveau de tirage, le jeu il a tout donné pour la Lasswell. Hein. Allez, encore 10 minutes de souffrance. Environ. Obélia. Thank you.
et je vais bientôt avoir ta récompense de confiance. Kaïn, d'accord. D'ailleurs, j'ai même pas fait gaffe avec qui venait la lead saison 2. Donc c'est... de souvenirs. Parce que toutes les saisons 2, il y avait autant d'une. Il y avait 6 étoiles, je sais plus. Allez, petit jaune, que me réserves-tu? Elena! Le retour d'Elena! Bon, après, niveau ratio, 3-4 étoiles, j'en sais rien, hein. Je suis bien, pas bien, honnêtement. J'ai pas du tout compté, mais je pense que je dois être plutôt pas mal. Mais c'est pas possible, faut arrêter là. À un moment donné, il faut arrêter d'arriver, il faut arrêter de sortir, Elena, quand même. Je veux bien que tu veuilles. Que tu veuilles te montrer, mais il y a quand même des limites un peu. Bon, ça me rendrait très clairement que j'ai encore un arc-en-ciel sur l'un des deux. Arc, ok. Ton autre petit sceptre, je crois que c'est bientôt bon, je crois. Pas de bêtises. Ensuite, donc, les 4 étoiles. 4 étoiles garanties. Donc, du coup, il y en a 7. On va voir sur 7 tickets combien de fois le jeu va troll. William, d'accord. Toujours pas de troll, c'est gentil. Gzon, bon, ok. Bon, et de 4. Avec. Je crois que je t'avais pas. Je sais plus. En tout cas, j'avais pas regardé en direct là, comme ça. Il n'y a pas d'intérêt. À limite, si je peux avoir une autre unité de la saison 2, moi ça me va. Hein. Le top du top, ça serait une finale, mais bon, je pense que j'en demande trop.
pense que j'en demande trop. Enfin, j'ai encore, je vais avoir une vieille 5 étoiles toute moisie, je pense. Sur l'arc-en-ciel. Allez, est-ce que ça va être lui le troll? Ou le 5 étoiles, peut-être, de Tiki? Oga. Je sais plus si j'étais avec toi, mais... Allez, la seconde 5 étoiles. Donc, celle-là, c'était la 5 étoiles garantie. Après, qui va y avoir dedans, ça, au lieu, on va voir, de toute façon. Allez, on y va. Je ne regarde même pas directement les trucs, c'est une file obscure de plus. Ah, ah, punaise, mais non, quoi. Ah, mon Dieu, horrifinos. Mais bon, pour le coup, c'est deux unités Bravexus que j'ai eu sur les 5 étoiles. Donc, j'ai envie de dire, ça sent peut-être bon pour la ligne pour le prochain épisode des tirages de l'enfer. Peut-être. Quoique, parce que avant, du coup, ces deux-là, j'ai eu sur un 5 étoiles le Chevalier Oignon. Donc, c'était cool ça aussi. J'ai eu le Chevalier Oignon il n'y a pas longtemps. Je crois que j'ai obtenu, au deuxième ou troisième jour de présence de l'événement du 10. Donc le jour même du début, je sais plus. Enfin bref, il est arrivé à point nommé, quoi. Très clairement, il est arrivé à point nommé. Mais du coup, j'allais voir un petit peu. Niveau des tickets, qu'est-ce que j'ai qui traîne? Alors, combien de sous? 62 tickets. On est parti en forcément énormément de basiques et 3-4 étoiles. Ouais, donc il y a en moyenne de faire un gros truc là-dessus. Et. Ah oui, c'est ça qu'il faut que je fasse d'abord. Avant de quitter plutôt. Ah oui, j'aurais dû. Oui, c'est ça, j'aurais dû le faire à. Sur moi. Mais pourquoi faut que je fasse ça d'abord? Alors, combien j'ai de. Oh, d'accord, 19 de trop. Ah, mais du coup, c'est ça que je peux faire. Petit Lassouel, où es-tu? Petit Lassouel, Fina Obscure, voilà, c'est ma quatrième. C'était quoi le filtre d'ailleurs là? Où c'est que je t'ai loupé toi? Ah oui, c'est je reprends, mais il y a un Tidus qui arrive aussi, je sais plus quand. Ah ben voilà, t'es là. Oui, non, mais si je fais ça, ça va pas. Donc, vu le nom de. Donc, c'est ici. D'accord, il est d'en haut alors que. Voilà, âme pourpre. Alors, pourquoi c'est là, je sais pas. Voilà. Déjà voilà, plein de limites, on va les donner. On n'a pas de furiture, direct glace X, 20X. Comme ça, ça en parle plus. Thank you.
j'ai pas tout donné ce qui traîne, j'ai juste fait en ça pour dire que bah, c'est fait. Voilà, niveau 2, très bien. Là, je ferai tranquillement hors enregistrement. Voilà, ça c'est fait. Et oui, ça aurait été plus logique, pardon. Donc, on va aller faire les échanges auprès du ministre. Donc voilà, n'oubliez pas de faire vos échanges ici. Et donc, on va prendre le ticket d'évaluation de 5 étoiles à 10%, donc qui donne 10% de chance d'avoir une 5 étoiles au lieu des 3% habituels. Bon, dans l'idée, c'est pas le plus viable, mais pour être joueur, j'ai envie de dire, ben voilà, je vais prendre ça. Donc un ticket 4 étoiles. Je vais prendre tous les formulaires d'extension. Je kiffe avoir de la place supplémentaire. Ensuite, un ticket progression rare à 12 et celui à 1. Bon, sachant qu'en termes de stock d'étoiles, de pétales plutôt, il m'en manque. Il y a un jour où j'ai oublié de faire les missions pour avoir la récompense des 5 quêtes quotidiennes. Donc du coup, là, techniquement, il m'en serait manqué 5. Donc après, avec 5, qu'est-ce que j'aurais fait de beau en plus? Ouais, je me serais servi les méga vampirateurs et Roger Kevin. Tout simplement. Et donc, on va aller voir exactement où c'est que ça se joue, ce ticket. Bon, je pense pas que ce soit par là. Voilà, exactement. Ouais, ça se joue là, ouais, c'est ça. 5 étoiles avec 10% chance d'apparition. Je pense que je commencerai directement par ce ticket là, à mon avis. Pour la petite lead. Et bien sûr, je m'arrêterai pas à ce tirage là si j'obtiens lead. Hein. Je serai joueur et puis je ferai quand même des tirages supplémentaires, mais voilà, je ferai que des tirages tickets d'évocation rare classiques. Après, voilà. Eux tomber sur d'autres 5 étoiles, donc ben, on verra bien ce qui adviendra. Bref, donc c'est là-dessus que je vous laisse. Hein. Je vous retrouve bientôt pour d'autres aventures. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt tout le monde.